Dans cette partie 3, on va faire donc le bind sur notre UI Inventory PCN Player. Donc on va binder les valeurs de pièces d'or qu'on a ici. Voilà, je bind. Donc ici vous le renommez bien comme il faut, get money. Ensuite, alors pour obtenir la monnaie du héros, on n'a pas dans HeroRef la valeur de la monnaie qu'il détient. Donc il va falloir qu'on crée cette valeur-là, cette variable, dans le héros. Et ici, on a le HP, HP max, mais on n'a pas de valeur de monnaie. Donc on va mettre le value money comme nouvelle variable. On va mettre value money, c'est un integer. Hop, integer. On va compiler. Sauver. On va lui mettre 100 pièces d'or. Allez, soyons généreux. Je compile. Donc maintenant qu'on a créé la petite variable sur notre BPRO, je reviens dans mon bind. Ici donc, je vais faire appel à getValueMoney. Voilà. Et on va rajouter un petit élément pour mettre le mot gold. Faites-le juste comme ça dans le vide. Et vous prenez le append qui est ici. Voilà. Parce que vu qu'il utilise des strings. Donc là, c'est le nombre de gold. Donc on va mettre plutôt comme ça. Ça, on va l'enlever. Et on va mettre ici espace gold. Hop, je relis ici. Je compile et je sauvegarde. Si je vais voir. Hop, j'ai 100 gold qui apparaît. Quatrième partie, on va s'occuper maintenant du NoPlayer Character.